J'ai eu la chance d'aller performer cette année à Vancouver lors des Jeux. Merci. Mais vu que c'était pour les Olympiques, j'avais pas le goût d'arriver là-bas avec la voix de Garou. Faut dire que ma mise en condition est pas du tout la même que les autres. Moi, ça ressemble plus à... Bref, je fais mes valises. Ouais, je la barre tout le temps. Et là, je m'en vais prendre l'avion, OK? Mais cette journée-là, je filais pour 8 heures taquin. Je filais pour jouer des tours, tu sais. Fait qu'aussitôt arrivé dans l'avion, je fais le son suivant. T'aurais dû voir juste les maris prendre la main de leur femme comme... Moi, j'avais du fun déjà, fait je me dis, OK, on continue. Je sais pas s'il y en a qui savent un peu de quoi je parle. Quand on arrive à la vitesse de croisière, une fois dans les airs, on entend... pour pouvoir détacher sa ceinture. Hein? Moi, ça? Une fois, écoute, dans plein décollage, OK, on est collé dans le banc. Tout le monde se lève. « Ouais, on va aller pisser, moi! Ouais, moi, tout, on va aller pisser! » On est bien du fun. Rendu à Vancouver, OK? Direction centre-ville. Je marche 5-6 coins de rue. Je me perds royalement. Fait que là, j'ai sorti une technique infaillible pour trouver un Québécois un peu partout dans le monde. Je me suis placé au coin d'une rue passante, puis j'ai crié « Tabarnak! 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 » La crime, à 500 mètres de moi, il y a un gars. « Tabarnak, qu'est-ce que c'est, le gars? Hé, 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 tabarnak, qu'est-ce que c'est? » Histoire vraie. Un Montréalais qui s'en vient se présenter, OK, puis là, parle, parle, genre, jase, on a du fun, tu sais, puis là, il me donne un billet pour aller voir le curling féminin. Yeah. Non, non, mais vous riez, mais sérieusement, j'aimais pas ça, le curling, avant, mais le curling féminin, là, plus intense que ça, t'explose, là. Complètement débile. Écoute, les veines bleues de conviction, là. Ils sont prêts à tuer des squaws, OK? Le regard de l'aigle. Non, pire que ça, je pense, sont encore plus violentes que dans le film Jurassic Park. La force du vélociraptor. Comprenez ce que je veux dire? J'ai aussi assisté aux deux victoires des équipes canadiennes de hockey! C'est vraiment des beaux moments. Sérieusement, quelle ambiance! J'ai tellement trippé de voir ça. Il y a juste une chose qui m'a dérangé. C'est que le DJ mettait... Écoute, il beurrait un peu trop épais côté musique canadienne. Même durant la remise des médailles aux Américains, on entendait « Hey! I feel like a woman! Hey! » Wanna make some noise, ringing with my voice. Yeah, well, I wanna scream and shout. Oh, 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 go totally crazy. Hey! Oh, oh, I look back now, wow. That
song seems to last forever. When those world bells sing some of my life. Oh yeah. Ça, c'était le seul bout québécois du medley. Thanks, Canada. Finalement, arrivée la journée du spectacle, je me rends au show le soir, mais mon bruiteur taquin est ressorti. L'animateur me présente, il y a des milliers de personnes en feu. Moi, je rentre sur scène, puis la première chose que je dis, c'est « Bonsoir tout le monde! » Oh. Un, deux, deux. Un, un. Tédédédès. Tédédès. Maradadédèque, tchédédèque. Édédéï. Dédès, tédédédédé. Cocomomomomomon. Tadadadabananananak. Vous auriez dû voir le gars de son capoté. Non! Non! Bref, un beau week-end. Hein? Finalement, je suis de retour à Montréal. Je suis de retour à Montréal, puis là, ma blonde m'accueille à l'aéroport, puis elle me demande « Pis, t'as-tu fait bien des affaires à soir? » Ah, je le sais à la voix de Marge Simpson. Je te dis. Fait que j'y ai résumé ça comme ça. Summer of 68.